Dans l'agenda chargé de Paul Kabatieba d'abord pour commencer, le Premier ministre a reçu ce 13 juin l'évêque de Koupéla, un émissaire du Premier ministre gabonais et un représentant du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Avec toutes ces personnalités, il a été question de développement du Burkina Faso, mais aussi de sécurité dans la bande sahélo-saharienne. On fait le point avec Ismaël Diloma Sirima. La soirée du 13 juin 2016 du Premier ministre Tieba a été marquée par trois audiences. Il a d'abord reçu l'archevêque de Koupéla. Leurs échanges ont porté sur une convention signée entre le gouvernement burkinabé et l'Église catholique. Une convention qui peine à certains points. L'État aussi, l'État s'était engagé à payer les instituteurs à un taux acceptable et tout pour que les enseignants puissent être stables et que les enfants soient assurés et que les scolarités aussi, qu'on ne les monte pas comme on veut. Amadou Ndiaye, quant à lui, est venu apporter une invitation au Premier ministre, celle de prendre part à la 10e édition du Forum des opérateurs pour la garantie et l'émergence économique de l'Afrique, qui se tiendra le 28 juin prochain à Libreville. Et nous avons donc pris la décision de venir inviter les nouvelles autorités burkinabées parce que nous avons vu leur nouvelle démarche, nous avons suivi les élections, nous avons suivi la nouvelle démocratie dans ce pays, nous avons suivi également la politique économique qui se dessine et qui constitue un modèle pour l'Afrique. Pour sa part, Jörg Schmidt du ministère allemand des Affaires étrangères est venu annoncer au Premier ministre qu'il est au Burkina avec une délégation d'hommes d'affaires allemands pour voir comment investir davantage dans le pays des hommes intègres.